Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Super Opening qui sera peut-être tournée en deux parties, étant donné que ce n'est pas du tout sûr qu'on ait le 4 étoiles. Voilà, je m'étais dit, tu fais un Super Opening, j'ai vu que j'étais pas sûr de l'avoir, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, au pire tu feras en deux parties, c'est pas grave. Ok, donc on a un 4 étoiles, on a plusieurs 3 étoiles, on a du coup potentiellement 5 étoiles, de toute façon vous le verrez à la fin de la vidéo, hein, quoi qu'il arrive. Moi ça sera peut-être pas tourné à ce moment-là. Voilà. Voilà, en gros, un super opening classique. On a également eu un nouveau cristal élémentaire. Donc voilà, on est bien. 5 unités, ça fait du bien. On a dépassé les 14 000, hein, comme vous avez pu le voir, dans un VS ultérieur. Enfin, antérieur, pardon. Hop. Je vais me mettre là parce que je vais aller ouvrir des cristaux. On a des cristaux de pierre, ouais, on va pas ouvrir le cristal de pierre 5 étoiles, on va juste ouvrir les 3 étoiles et 4 étoiles, parce que, bon, il n'y en a qu'un, on va le laisser, hein, en attendant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voter après cette vidéo, donc là, c'est la dernière ligne droite, hein, pour le concours des openings. D'ailleurs, bah, je sais pas quand vous voyez cette vidéo, mais il y a bientôt, très très bientôt, ou peut-être déjà, le récapitulatif des points. Après 2 mois, donc il reste encore 1 mois, donc jusqu'à mi-février. Donc de toute façon, je vous donnerai la date de fin précise selon les tournages de mes super openings. De toute façon, je vous dirai quel est le dernier. Et voilà, de toute façon. De toute façon, vous en serez informé, ne vous inquiétez pas. Ok! On a donc des cristaux d'arène. On va acheter notre cristal d'alliance, même si on va pas l'ouvrir là. Oh, bon, voilà. Allez, viens maintenant. Un Colossus 3 étoiles, dommage. Pas de boost, mais bon, on a été gâté niveau boost dans le dernier, donc on va pas s'en plaindre. Ok, on va en ouvrir 30, je pense. Ouais, 31. Enfin, on va ouvrir ce qu'on a, en fait. On va pas prendre les 8 qui restent. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais garder un petit peu, parce que je sais même pas ce qu'il faut que je donne niveau trésor. Je crois que je suis un peu... Ah, dommage. Un peu en retard, mais 90 unités. 135 unités. 135 unités. Ok. Et eh ben ça me met à presque 12 300. 14 300, pardon. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il y a les cristaux de QA6. Et du coup, on a un alpha dans la réserve. Un deuxième alpha dans la réserve. Merci. Allez, c'est super. D'ailleurs, il va falloir que je gère le premier. Je ne sais pas quand c'est qu'il expire, mais il va falloir que je gère tout ça. Ok. On va ouvrir les 3 étoiles, du coup. Je crois qu'on n'a pas grand-chose de ce côté-là. Enfin, si, oui, si, on a beaucoup, mais on va les ouvrir plus tard. On les ouvrira plus tard. Ok. On ouvre les deux cristaux. Flèche North the Wood. Bien sûr qu'on les a déjà au max. Alors, est-ce que dans les événements là, il n'y aurait pas des éclats quelque chose? Ah, il y a des éclats 2 à 4, mais il n'y a pas d'éclats. Je pense pas qu'il y ait d'éclats 5. Ouais, il n'y a pas l'air. C'est par exemple dans Victoire de Quête d'Alliance, il n'y a rien. Ok, combat cosmique. On s'en fout. Ok. Du coup, je crois qu'on est bon de ce côté-là. Est-ce qu'on a un cristal 3 étoiles ici? Oui, je me disais bien aussi. On va le faire tourner celui-là. En 3 étoiles, qu'est-ce qui manque sur ce compte? Je ne sais pas parce que j'en ai chopé pas mal des nouveaux récemment. Mais Emafrost, je l'ai déjà. Omegaret, je l'ai déjà. Bon, lui, bien sûr que je l'ai déjà. Hein, War Machine. Je crois que ça a été un de mes premiers maxés d'ailleurs, War Machine. Donc. Très ancien personnage. Qui a bientôt 4 ans d'ailleurs. Qui a 3 ans et demi, hein, grosso modo. Voilà, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est bon. On a le cristal ultime qu'on va ouvrir tout de suite. Donc comme d'habitude, hein, je crois qu'il y a 20 % de chance d'avoir du 4 étoiles. C'est que des persos enfin, qui jouent avec les éléments. Bon, on va encore avoir du 3 étoiles. Hein. Eh ben non, on a un 4 étoiles et du coup, ça nous assure. En plus, c'est Rocket qui est déjà maxé, je crois. Du coup, ça nous assure le 5 étoiles. Avant de tirer le 4 étoiles. Donc, c'est cool. Enfin, ça nous l'assure.
Disons que il faudrait que j'ai un nouveau dans les 4 étoiles et que dans les deux cristaux du coup de enfin en tout cas faudrait que dans les cristaux de compétences max j'ai de la merde, vraiment. Ça me paraît ça me paraît plutôt impossible. C'est ça que je cherchais. Je vais pas me fracasser plus. Chercher un mot, mais non. Juste reste tranquille. Donne un mot tranquille. Psylocke, ok. Ok, déjà. Ah, ouais, si, allez, au max. Je l'ai maxé récemment. Enfin, récemment, non, je crois qu'il y a quelques semaines quand même, mais je l'ai maxé. Je l'ai maxé. De toute façon, en 3 étoiles, j'ai plus de 100 persos maxés. Hein. Ça commence vraiment à être pas mal, hein, niveau optimisation. Ok, le petit 4 étoiles, donc Ghost, qui pourrait être sympa, parce que j'ai l'arène à faire au moment où je vous parle. J'ai l'arène à faire. Je vais la faire au deuxième round et. Parce que là, j'ai plein de trucs à faire ce week-end. Déjà, je vais jouer Ric-Rac, les 2000 éclats et tout. Donc non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire là. Déjà, je vous dis, ça fait 24 heures que l'arène a commencé. J'ai même pas fait d'étape encore. Venom. Est-ce qu'il est maxé? Ah, j'ai dû le maxer. J'ai dû le maxer, ouais. Symbiose agressive. Ok. Eh bien, là, il faudrait qu'on ait trois trucs de merde. Enfin, qu'on ait trois pierres dans les cristaux. Ça me paraît un petit peu difficile. Mais on va voir. Hein. On va voir. Peut-être qu'on va avoir vraiment de la merde. Hein. On sait pas. 275 éclats. Et maintenant, on va ouvrir les trois cristaux de compétence max 5 étoiles. Qui, normalement, si tout se passe bien, devraient nous donner des éclats 5. Et que des éclats 5. Cool. Ok, on est presque à 11 000. Sachant qu'il y a. L'incollectable est fini. Hein. Il y a le VS qui arrive. Enfin, au moment où vous verrez cette vidéo, le VS sera déjà tombé. J'aurai eu 2000 éclats en plus. Il y a également la GA. Enfin, pas mal de trucs. En tout cas, on va voir ce qu'on chope. Donc, je vous rappelle, hein, Omega Red et Mafrost, si on les chope. Enfin, priorité et Omega Red. Le 5R4 avec la gemme de rank up mutant. Donnez-moi du nouveau, ce que vous voulez. J'ai eu deux doubles dans les derniers tirages. Donc ça fait deux tirages qu'on n'a pas de nouveau. Donc on va voir si on retombe dans la mauvaise. Sans chance en fait. Ou si c'était que passager. On va voir ça tout de suite. Bien, ça lag un peu. Décidément, ouais, on n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien en ce moment. Hulk, je l'ai eu il n'y a pas longtemps en plus. Je crois qu'il passe à 80 là. Oh putain. C'est pas dingue, hein. On a la retombée là. On a la retombée des derniers tirages. Hein. Là, ça retombe. J'en connais un chez qui ça retombe pas, hein, le petit Chris, mais moi ça retombe. Hein. Moi c'est. Ok, une ressource mystère. Enfin, c'était de l'or ou c'était des ISO, un truc comme ça. Ça fait des éclats 6, mais bon. On aimerait avoir les éclats 6 pour des éveils, hein, notamment Psylocke, j'aimerais bien. Magic, j'aimerais bien. Corvus, j'aimerais bien. Ghost, j'aimerais bien. Spidey Sark aussi. Mais non, pas ça, pas Hulk. Pas Hulk, c'est pas cool. Enfin, voilà. Bon. En ce moment, on n'a pas des bons tirages. On n'a pas des bons tirages. Ça fait 3 tirages de. Non, on avait eu un éveil de je sais plus qui. On a eu un éveil de je sais plus qui récemment. C'était éveil de qui? Ah putain, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de qui. Est-ce qu'on a eu Archangel? Mais après, là, on tombe sur 3 éveils d'affilée. Enfin, 3, ouais, 3 persos. 3 persos doubles d'affilée. Et je sais qu'on a eu un éveil. Un éveil d'un 4 étoiles, je crois. Enfin, d'un 5 étoiles R2. C'est qui? Eh non, c'est peut-être un 5R. Du coup, ça doit être un 5R3. Eh non, c'est Ella. Voilà, c'est ça. On a eu l'éveil de Ella, qui est pas mauvais, hein, mais bon. On aimerait avoir du nouveau, c'est mieux. Et là, on vient de choper Mordo, qui passe en triple, donc à 40, et le quintuple
De Hulk, donc c'est pas cool, hein. Il passe à 80, il va bientôt rattraper mon Iron Man, alors que c'était pas gagné, hein, pourtant. Enfin voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis sur ce tirage, qui me plaît pas, mais bon, il faut bien accepter après avoir eu tant de chance sur les tirages. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que la chance me reviendra très bientôt, déjà sur le prochain, j'espère. Enfin voilà, en tout cas, merci à vous et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo de tout type. Allez, salut, à la prochaine, bonne soirée à tous.